Auré Ramadan, président de la coopérative Capto, donc la coopérative polyvalente de l'Aoula et Tizi Ouzou. Donc c'est une coopérative qui regroupe 1200 adhérents. On travaille sur plusieurs filières. Donc les filières principales, c'est le lait, le ferment, le miel, plus la cuniculture et d'autres secteurs, segments de l'agriculture. Cette fois, donc, on est en train d'organiser la 5e édition de la foire du miel de Tizi Ouzou. Elle regroupe actuellement 24 grands producteurs. Donc, c'est des producteurs qui font de la transhumance. Donc, le miel, il vient de toutes les régions d'Algérie. Donc, c'est des véritables professionnels. En fait, il y a certains qui ont même des entreprises avec 2 ou 3 employés, jusqu'à 4 employés. Donc, nous, on va leur donner la chance de se connaître, d'approfondir un petit peu les connaissances et d'échanger les informations entre eux. Mais en premier lieu, c'est d'écouler leurs produits. Donc l'écoulement des produits, donc, il va se faire selon un code qu'on a établi au niveau de la CAP, au niveau de la coopérative. Donc il faut un étiquetage, il faut une traçabilité du produit. Et en amont, on a fait ce qu'on appelle des analyses organoleptiques de tous les miels qui sont ici pour ne pas tomber dans les miels frelatés. Parce qu'en fait, le miel en Algérie, c'est un segment d'activité où il y a beaucoup, beaucoup de trafic, il faut le dire. Et nous, on essaie un petit peu de limiter ça par ce genre de foire. On peut trouver ici beaucoup de diversité de miel, de la propolis, de la gelée royale. Donc en fait, c'est un peu le, il n'y a pas que le miel qui intéresse le citoyen, puisque même au niveau les autres produits agricoles, c'est-à-dire de la ruche, on peut accéder, on peut les acheter ici dans cette foire. Donc c'est une foire qui est à sa 5e édition. Et la nouveauté cette année, c'est qu'on va lancer un concours d'une année. Pendant une année, on va collecter du miel chez nos adhérents, on va les analyser et identifier les meilleurs miels qu'on va essayer à terme de labelliser. Donc, cette filière, donc, elle a beaucoup actuellement de problèmes qui sont liés généralement au dérèglement climatique. On n'a pas assez d'eau, donc il faut savoir que la bitune, c'est-à-dire la baie qui butine, elle a besoin d'une fleur humide. D'une fleur humide, donc lorsqu'on a un taux d'humidité qui est bas, les abeilles ne font pas beaucoup de miel. Le problème, c'est un petit peu l'usage excessif des pesticides au niveau des orangers, des vergers. Et les pesticides font des ravages actuellement sur certains huchers. La foire principale, les prochaines, elles vont se faire une à Benidouala. Donc prochainement, on est en train de la préparer. La deuxième, elle va se faire à Beniani. Et on a d'autres contacts au niveau de toute la wilaya. C'est-à-dire l'idée du projet, c'est installer une foire au niveau du chef-lieu. Par la suite, donner la chance à d'autres localités de Tizi Ouzou d'avoir accès à un miel de